Alors bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page Lini Créative. Je vous propose aujourd'hui une petite vidéo live pour réaliser quelques cartes assez rapides, enfin dans la mesure où c'est quand même un peu préparé d'avance. Ce que je souhaitais faire, c'était vous présenter un set dont je viens de faire l'acquisition et que je trouve vraiment chouette. J'avais vraiment très envie de l'avoir dès que le nouveau catalogue était sorti. Il n'était pas disponible en précommande. Et donc, ça y est, depuis début juin, j'ai pu l'obtenir. Donc, il s'agit de ce set poinçon sur piqué triangle que je trouve vraiment très très joli. Donc avec trois formes de triangles différentes, rectangle, équilatéral et isocèle. Vraiment beaucoup de découpes qui permettent énormément de possibilités. Il y a cette petite guirlande fanion aussi qui est bien sympa. Ici, et là, on a une frise qui permet de percer le papier de petits triangles. Et ici, un ensemble de découpes aussi qui permet des petites découpes sympas. Donc voilà, c'est ce set que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors il est assorti à un set de tampons que je n'utiliserai pas aujourd'hui, mais qui est sympa aussi et qui permet de venir. Ah, la vidéo, la mise au point ne se fait pas. Voilà, qui permet de venir ajouter des tampons triangles de couleur aux découpes. Évidemment, coordonnées au niveau des tailles. Alors, juste pour vous montrer avant de démarrer un petit modèle, j'ai réalisé cette semaine une page avec ce set de tampons que voici. Donc, je vais essayer, ça va peut-être bouger un petit peu, voilà, de lever pour pouvoir vous la montrer entièrement. Donc c'est une photo de ma nièce Éléonore. Évidemment, je l'ai un petit peu masquée en noir et blanc. Vous pouvez retrouver ici la petite découpe dont je parlais tout à l'heure. Une découpe bois qui vient de l'atelier des mille et une boîtes. Et puis voilà, tout un pavage que j'ai réalisé avec les découpes triangles et les papiers de la collection Pivoine du nouveau catalogue. J'ai utilisé aussi les gemmes de cette collection, ainsi que le ruban. Les petits tampons cœur viennent du set de tampons triangle. Et pour les couleurs, on est sur du gris granit et rose, pétale rose. Voilà. Donc, une petite page que je trouve bien sympa. En douceur pour mettre à l'honneur cette jolie photo d'Éléonore, ben, que là vous ne pouvez pas voir, mais qui est vraiment très 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 très, très jolie. Voilà. Pour un premier exemple de ce que l'on peut faire avec ce set. Alors, on va réaliser tout d'abord une première carte. Et pour cette carte, on va avoir besoin tout d'abord d'un papier de fond pour le fond de la carte. Donc, moi j'ai pris du murmure blanc épais qui donc mesure 10,5 par 29,7. Donc, c'est un demi à 4, mais pris dans la hauteur. Donc, il mesure 10,5 par 29,7 cm. Et ici, vous voyez, j'ai marqué un pli, donc dans la hauteur, à la moitié de 29,7, c'est-à-dire 14,85 cm. Voilà, donc ça va nous permettre de les réaliser une carte qui va se tenir comme ceci dans la hauteur. Voilà.
Donc, ça, c'est notre premier fond. Et ensuite, il va nous falloir un deuxième fond uni mais coloré. Donc, celui-ci, c'est le jaune beau bourdon. Et il mesure 10 cm par 14,80. 10 cm par 14,80. Voilà, c'est-à-dire qu'il va faire vraiment la hauteur de ma carte, toute la hauteur, et on va avoir juste deux bords blancs de part et d'autre. Donc pour le moment, on ne le colle pas. On va travailler sur ce fond de carte. Il nous faudra aussi des triangles. Donc là, j'ai pris les découpes. Eh bien, évidemment, deux triangles du 7, donc les isocèles. Alors, celui-là, je n'en ai pas besoin pour le moment. Donc, je n'ai pas pris le plus grand, mais les deux suivants. Voilà, donc, si on part du plus grand, j'ai pris le deuxième et le troisième dans ce set de découpes. Si vous n'avez pas de découpe triangle, sachez donc pour info que ces triangles, donc il nous en faut 6 dans du papier à motifs de différentes couleurs et différents motifs, peu importe, mais assortis évidemment au fond coloré que vous aurez choisi. Donc moi là, je travaille sur les Incolor 2020-2021, donc pas de souci, c'est assorti. Donc, il en faut 6 et il mesure approximativement 5,5 cm de base. Et au niveau des côtés, on est à 9 cm environ. D'accord? Ils sont identiques et il nous en faut 6. Enfin, donc j'ai utilisé ce plus petit triangle pour faire une découpe dans le papier blanc, une seule. Et cette découpe en forme de triangle mesure à la base 4,3 cm environ et sur les côtés 7 cm. Donc vous voyez sur le papier à motif, on le voit moins bien. Vous voyez bien ici donc. Ces découpes s'appellent surpiqué triangle parce que il y a une petite surpiqûre, voilà, comme un effet couture, tout le tour de chacune de ces découpes, ce qui donne quand même ce joli effet de bordure que j'aime beaucoup. Donc celui-là, on aura un message à tamponner dessus tout à l'heure, ça va nous servir d'étiquette, on le laisse de côté. Alors, pour nos triangles. On va démarrer ici sur le côté droit et on va poser un premier triangle. Donc à chaque fois, je vais bien laisser une petite bordure en haut et sur le côté. Et puis je vais essayer de penser à alterner évidemment mes couleurs. Et puis mes motifs aussi, évidemment. Donc je regarde un petit peu ce que j'ai. Je pose avant de coller quoi que ce soit. Ça me permet d'éviter les erreurs. Voilà, donc celui-là, je viendrai le découper après. Et puis du coup, je pourrais poser comme ça. Alors ici, c'est pas judicieux. Je vais me retrouver avec les mêmes motifs.
Voilà, comme ça fait moins de poids. Les écritures, c'est moins gênant. Voilà, une fois que je suis satisfaite de mon pavage, je vais pouvoir coller. Donc, je vais démarrer par ces trois-là. Pour le début, je suis bien ma ligne de départ. Il n'y a rien qui dépasse. Donc, c'est plus facile de commencer ici à droite. Voilà. Le dernier pour ce côté. Donc ces systèmes de pavage, on peut les réaliser évidemment avec d'autres formes. Ça n'est pas exclusivement réservé au triangle. On peut comme ça imbriquer tout un tas de formes dès lors qu'on en a plusieurs et éventuellement de différentes tailles. On peut tout à fait réaliser, voilà, ces pavages. Donc, ici, eh bien, je vais mettre de la colle seulement sur le bas de mon triangle, puisque après, je vais venir en découper un morceau pour compléter le bas. Donc, ici, je mets bien de la colle que sur le haut de mon triangle. Donc là, pareil, à nouveau, je laisse bien un bord sur le côté, mais aussi entre les triangles. Et puis, bon, j'essaye d'être le plus régulière possible. Voilà, donc là, j'ai fait une petite bêtise ici. Je vais essayer de le décoller tout doucement. Voilà. Pour le redécaler un peu. C'est pour ça que c'est important de les coller, de les poser tous, comme j'avais fait tout à l'heure, avant de les coller. Et le dernier. Le dernier entier. Et donc, je vais venir ici couper la partie de mon triangle qui dépasse. Et je vais pouvoir l'utiliser ici pour le bas de ma page, de ma carte. Parfait. Voilà. Donc, on a coupé en haut, on va faire pareil pour le bas. On coupe ce qui dépasse. Et voilà le pavage qui est prêt. Alors, on le met de côté avec notre fond de carte pour le moment. Et on va
venir tamponner notre étiquette triangle. Donc on va la positionner comme ceci, d'accord, à droite. Donc on met bien le petit côté à droite. Alors, tout à l'heure, je vous montrerai le premier modèle de carte que j'avais réalisé. J'avais utilisé pour ce premier modèle de carte le message « Have a beautiful day » du set de tampons Very Versailles. Et ici, pour cette deuxième carte, je vais utiliser le « Bonjour » qui se trouve ici, du set de tampons « Émotions effeuillées ». Voilà, et je vais l'ancrer avec l'encreur noir Memento. Tout simplement. Voilà. Hop. Donc, ce triangle blanc, on le collera à la mousse 3D. Alors, ici, eh bien, je vais pouvoir en coller le pavage réalisé tout à l'heure. Et venir le coller sur mon fond de carte. Donc, je le mets bien ici en haut à la limite du pli, puisque je vous ai dit que cette fois-ci, j'avais choisi de laisser un bord uniquement sur les côtés. Il n'y en a pas en haut et en bas, pour la simple raison que, voilà, je suis venue aussi à champ avec mes triangles découpés. Donc, voilà pourquoi j'ai fait ce choix. Et puis, avec un petit peu de mousse 3D, je vais venir coller mon étiquette. Juste ici. Hop. Donc j'ai bien laissé à droite les triangles que j'avais collés en premier et je suis venue mettre mon étiquette entre les deux du bas. Voilà, pour terminer cette première carte, j'ai préparé les pois laqués Incolor 2020-2022, ce qui me permet de venir agrémenté de quelques petites touches de couleur ma carte et puis ça termine toujours joliment. Donc je choisis de mettre les pois jaunes beau bourdon comme mon fond de carte. Ça me rappelle comme ça le fond. Et puis je trouve que c'est joli. Et voilà pour ce premier modèle de carte avec les triangles. Alors, hop, qu'est-ce que vous en pensez? Sympa? Je vous montre la première, donc celle que j'avais réalisée juste
avant de lancer le live. J'ai juste changé le fond. Ici, il est en juste jade. Et du coup, j'ai aussi assorti les pois laqués. Et puis, eh bien, le message, j'ai changé, voilà, en fonction de l'humeur du moment. Donc, voici pour un premier modèle de carte avec les triangles. Et tout de suite, je vous montre une autre façon aussi, encore, de les utiliser. Avec la page que je vous ai montrée en tout début de vidéo, ça vous fait trois belles façons d'utiliser ce set. Et je ferai une autre page pour une photo en live, très facile à faire. Avec encore les triangles surpiqués. Alors, hop, j'espère que ce premier modèle vous plaît. On passe au deuxième tout de suite. Alors, pour réaliser cette deuxième carte, il vous faudra un fond de carte toujours murmure blanc, mais cette fois-ci, il mesure 14,85 par 21 cm. 14,85 par 21 cm. Donc c'est aussi un demi à 4 mais dans l'autre sens, horizontal et non plus vertical. Et ici dans la largeur, j'ai plié à 10,5 de manière à avoir voilà, une carte cette fois-ci en version horizontale et non plus debout. Ça c'est pour le fond de carte, la base plutôt. Ensuite, il vous faudra un fond de couleur. Moi j'ai choisi magenta en folie qui mesure 10 cm par 14,2. 10 cm par 14,2. Et un troisième fond qui lui est blanc à nouveau et qui mesure 9,7 cm par 13,9 cm. 9,7 par 13,9. Ce fond blanc, je ne l'ai pas laissé tel quel, je l'ai gaufré. Donc, vous pouvez choisir d'utiliser un papier qui est déjà gaufré ou alors, si vous disposez de la machine de coupe, de découpe et de gaufrage, vous pouvez réaliser ce gaufrage en utilisant un plioir. Et moi, j'ai choisi d'utiliser ce nouveau plioir du nouveau catalogue qui s'appelle Toile Brute et qui donne voilà cet effet un petit peu tissu, toile de jute, voilà. J'espère que vous voyez bien, qui est vraiment sympa. Donc, pour l'instant, c'est ce fond que l'on va conserver. On peut mettre les deux autres de côté. On les reprendra tout à l'heure au moment de finaliser notre carte. Ce que j'ai pas précisé, c'est que il nous faut aussi, encore une fois, des triangles. Donc là, une petite dizaine. J'en ai préparé plusieurs. Voilà. Toujours dans les papiers Incolor 2020-2022. J'en ai fait des unis et d'autres à motifs, des motifs différents. Ces petits triangles, donc si je reprends mon set de découpe, voilà, j'avais utilisé, donc je vous avais dit tout à l'heure, pas le plus grand, les deux suivants, et bien c'est le troisième que je vais prendre cette fois pour découper mes petits triangles. Donc, pour celles qui n'auraient pas les découpes, c'est encore un triangle isocèle. Et pour info, la base ici de mes triangles découpés fait 3,2 cm. Et donc, la mesure des côtés est d'environ 5,2 cm.
Donc, j'en ai fait 10, mais normalement, on devrait en utiliser que 9. Ça nous permet de pouvoir, on va dire, switcher un petit peu au niveau des découpes si nécessaire. Donc, je vais me positionner sur mon quadrillage pour avoir mon morceau de papier bien droit. Donc, moi, j'utilise vraiment les lignes de mon papier quadrillé, ça m'aide. Parce que là, je vais devoir faire une ligne de triangle relativement droite. Donc, si vous n'avez pas de papier quadrillé, vous pouvez tracer un trait à environ 1 cm du bas. Vous le tracez au crayon de bois en appuyant légèrement. Et une fois que tout sera collé et sec, on pourra venir gommer assez facilement. Donc, je prends un premier triangle. Et ça va être mon point de départ, ce premier triangle. Donc, je vais venir le coller. Hop, ici. Donc, à 1 cm du bas et au bord de mon papier blanc. Voilà. Donc, ce premier triangle étant posé, maintenant, ça va être plus facile. Donc, je vais pouvoir en mettre un. Ici, juste à côté sur le bord. Donc là, il va dépasser. Donc, je n'en colle que cette partie-ci. Voilà. Et je viendrai la découper tout à l'heure, un petit peu plus tard. Et alors là, même chose que pour le premier modèle. Je laisse évidemment, on n'est pas obligé, hein, mais moi, je fais le choix de laisser un petit écart entre chaque pour qu'on puisse apercevoir le papier blanc à chaque fois. Et puis alors après, bon, j'y vais au hasard entre papier uni et papier à motif et entre les différentes couleurs. Faites attention, n'alternez pas à chaque fois uni et motif parce que sinon vous allez vous retrouver avec ben, tous vos motifs en bas. Et tous les papiers unis en haut. Donc là, j'en ai mis deux en suivant. Et puis, c'est ce que je vais faire aussi ici. Je vais remettre deux unis en suivant. Voilà, pour que ce ne soit pas trop régulier. Après, ça peut être un choix. Comme on l'a fait pour la première carte, si vous avez besoin, vous posez d'abord tous vos triangles. Ça vous permet de faire votre choix de couleur, de motif, sans trop stresser. Hop, et je continue comme ça en gardant bien à l'œil ma petite ligne de départ pour essayer d'être le plus droit possible. Et puis je continue du coup mon alternance et je colle mes petits triangles. Hop, toujours en laissant mon petit millimètre de séparation entre chaque. Voilà, donc ici je fais encore un petit pavage, mais cette fois-ci en ligne. Tout à l'heure, on a réalisé un pavage complet. Là, c'est une bande. Et puis sur la page que je vous ai montrée en tout début de vidéo, avec la photo d'Éléonore, vous avez pu voir que là, j'avais fait un pavage plutôt aléatoire. On peut vraiment, avec ce genre de forme, s'amuser et laisser libre cours à sa créativité. Donc même chose pour le dernier, je ne mets pas de colle partout puisque je vais venir le recouper. Voilà, j'en ai utilisé donc 9 sur les 10 que j'avais prévus. Voilà, donc je vais venir découper ce qui dépasse de mon fond de carte à l'aide de mes ciseaux tout simplement. Et ça,
je vais venir le coller sur mon fond rose. Et là, il y a un petit millimètre et demi à laisser de chaque côté et en haut en bas. Voilà. Hop. Alors, pour le message, je n'ai pas choisi de refaire d'étiquette et de tampon cette fois-ci. J'ai choisi d'utiliser les découpes du set Poinçon Alphabet à loisir. Voilà, alors c'est vraiment super ce petit set parce que il y a beaucoup de lettres, de caractères, vous voyez le hashtag, les sperluettes, des chiffres égales, enfin on peut vraiment imaginer pas mal de choses, on a les CD, le E dans l'eau, les accents évidemment qui sont présents ici. Donc, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Et en plus, ce qui est bien, c'est que on a des lettres qui sont en double, comme le E, comme le R, des lettres qui sont souvent plusieurs fois dans un même mot. Donc, vous allez me dire à quoi ça sert, puisque après les lettres, ben, on peut les passer à la machine plusieurs fois. Ben, ça nous permet tout d'abord de pas avoir à tourner à la Big Shot trop longtemps et trop de fois. Donc moi là j'ai choisi d'écrire merci. Donc première chose, et eh bien voilà, j'ai mes petites lettres qui sont faites et que je vais pouvoir venir positionner. Donc je les ai faites dans le papier blanc, positionner sur ma carte. Voilà, je mettrai ça un petit peu mieux tout à l'heure. Alors après on peut faire le choix de faire comme ça une forme un peu en vague. Mais ce qui est bien dans le fait d'avoir des lettres doublées, pour écrire par exemple le mot « happy », c'est que on pourrait les disposer au moment de découper comme ça, un petit peu n'importe comment, sur des chutes de papier. Mais si on fait le choix de les disposer bien régulièrement, alors on peut utiliser deux fois les mêmes découpes, les lettres que l'on a découpées, mais aussi en découpant proprement, eh bien, la partie évidée et pochoir qui nous fait donc une nouvelle étiquette. Et je vais vous montrer sur un fond à motif. Voilà, par exemple, tout de suite, c'est super joli. Et vous voyez, sur une carte, on peut tout à fait réutiliser cette découpe. Aussi, vous pouvez, grâce à ces lettres, écrire tous les mots, les prénoms, tout ce que vous souhaitez. Vous avez vraiment un ensemble complet. Et à chaque fois, quand on découpe, eh bien, on peut récupérer et l'étiquette et les lettres découpées. Bon, ça, c'est pour la petite astuce. Alors, je vais venir coller ici mes lettres sur mes triangles. Donc, en fonction du mot choisi, on démarre, je les ai posées pour voir à peu près où est-ce que je voulais démarrer ma première lettre. Et puis après, bah, toujours pareil, on essaye de s'aligner et d'être droit si on a envie d'être droit. Voilà. Si vous n'avez pas de lettres, de découpe lettres, eh bien, vous pouvez tout à fait découper un mot ou alors, évidemment, positionner une petite étiquette sur laquelle vous viendrez tamponner un message. Ça, il n'y a aucune difficulté, vous avez l'habitude. Donc ça, à vous de voir et de faire en fonction du matériel que vous avez à disposition à la maison. Voilà, donc c'est très très léger. J'ai pas besoin de mettre énormément de colle.
surtout que la colle tient bien, donc ça va vraiment bien tenir, il n'y a pas de risque, ne pas s'inquiéter. Voilà, forcément. Puisque je viens de dire que ça allait bien tenir, ça ne tient pas. Hop. Merci l'outil touche à tout. Heureusement qu'on l'a celui-ci parce que une fois qu'on a l'habitude, on ne sait plus s'en passer. Pour manipuler les petites choses, c'est vraiment super pratique. Voilà. Donc, mes lettres sont posées et fixées. Je vais venir coller mon panneau sur mon fond de carte, celui que j'avais préparé initialement, à la mousse 3D. Donc là, petite astuce aussi, hein, ma plaquette de mousse 3D est terminée. Je ne jette pas le tour avec des ciseaux. Je viens découper et puis j'utilise les derniers morceaux restants, évidemment. On ne gâche rien. Voilà. Et là encore, petite touche finale, je viens reprendre mes pois laqués comme tout à l'heure pour finaliser un petit peu le projet. Ça, c'est la petite touche en plus, un morceau de ruban, un strass, un pois laqué, une ficelle. C'est toujours ce qui vient terminer le projet et le sublimer, je dirais. La petite touche en plus. Voilà, voilà. Donc, le deuxième modèle de carte réalisée. Je le trouve vraiment très, très frais et super sympa. J'espère donc que ça vous plaît. Je vous rappelle que je vous ai présenté une page tout à l'heure et que j'en réaliserai une encore une fois avec ce set de triangles surpiqués très très prochainement. Donc surveillez bien la page. Je vous remercie de m'avoir suivi. La vidéo reste disponible évidemment sur la page et elle sera aussi sur ma page YouTube Lini Créative. Donc n'hésitez pas surtout à la partager, à la faire voyager un maximum. Merci beaucoup, à très très vite. Ciao ciao.